Florent Barboteau, bonjour. Vous êtes le fondateur des Ouigo, le réseau numéro un d'agences automobiles. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci à vous. Première question, quel est l'impact de la crise sanitaire que nous traversons et de ce troisième confinement sur l'activité du réseau Ouigo? Alors, très sincèrement, nous faisons partie de ces quelques secteurs d'activité plutôt préservés, puisque le marché du véhicule d'occasion en France en 2020 ne s'est tassé que de moins 4,5%, ce qui est relativement peu. Marché dans lequel l'ensemble de nos franchisés à périmètre constant a réalisé un chiffre d'affaires en progression de plus 42,7%. Donc, très sincèrement, nous traversons la crise cette année Covid plutôt de manière remarquable, liée au fait principalement, alors pertinence du positionnement de notre concept, c'est vrai, mais aussi lié à la digitalisation, puisque dès le lancement du réseau, nous étions avec nos deux pieds dans le digital, si je puis m'exprimer ainsi. Est-ce que vous avez remarqué un changement dans les habitudes de consommation ou d'achat de vos clients? Alors, plus qu'un changement, une accélération, hein. C'est-à-dire que nous, avant le Covid, on réalisait déjà la plupart de nos ventes de véhicules à distance, donc avec des clients Internet, et qui consommaient nos services également de livraison, d'achat, etc. À distance. Et on est passé de plus de la moitié en fait de ces acheteurs à quasiment 100%, et même complètement 100% pendant les périodes de confinement pur. Est-ce que vous avez quand même dû faire évoluer votre savoir-faire afin de vous adapter au contexte? Absolument, à cela deux angles. Le premier, il est opérationnel, c'est-à-dire que on a accéléré la finalisation de certains de nos outils digitaux à destination de nos franchisés et de leurs clients, mais également en interne tête de réseau vis-à-vis des franchisés avec la mise en place de visioformation, c'est-à-dire tout ce que nous faisions précédemment en présentiel, nous l'avons digitalisé également. Lorsque tout sera revenu à la normale, le plus tôt possible, on l'espère, pensez-vous maintenir des actions et des concepts mis en place dans le cadre de la crise sanitaire? Bien sûr que nous le souhaitons tous de sortir le plus rapidement possible de cette crise-là. Il n'en reste pas moins que, oui, bien sûr, cet épisode nous a permis d'aller encore plus loin, encore plus vite dans le digital dans lequel nous étions nés préalablement. Et également en termes d'habitude de consommation d'un point de vue client, on note effectivement des changements par un plus grand appétit à aller consommer comme ça, une plus grande confiance encore sur le digital. Où en est le développement de votre réseau en ce début d'année 2021? Alors, je serais tenté de dire que le développement de notre réseau suit également cette dynamique métier et client. C'est un petit peu logique dans le sens où on assiste à un double phénomène. Le premier, c'est que de plus en plus de personnes souhaitent entreprendre et prendre leur destin en main. Et donc, ça, on a une recrudescence de candidats depuis le début de l'année importante. Deuxième point, ces porteurs de projets, évidemment, naturellement, eh bien, vont se tourner vers des secteurs d'activité qu'ils estiment résistants, résilients en temps de crise, dont nous faisons partie. Et quels sont vos objectifs d'ici à la fin de l'année? Nous avons déjà, à fin mars, enregistré, et c'est inédit, une dizaine de nouveaux franchisés, partenaires. Nous estimons donc pouvoir terminer l'année avec une trentaine de nouveaux franchisés partenaires. Quels sont les critères pour devenir franchisé Ouigo? Alors, aimer l'automobile, tout d'abord, voilà, avoir un appétit pour le produit en tant que tel. Ensuite, avoir une fibre commerciale, commerçante, mais également managériale, puisque notre concept permet d'aller gérer des points de vente jusqu'à une dizaine de commerciaux. Comment se déroule le recrutement et la formation de vos nouveaux franchisés dans le contexte actuel? On a là également, vous avez raison, digitalisé un maximum ces parcours-là, pour les raisons sanitaires, bien entendu. Donc, ce que nous pouvions faire en présentiel se passe maintenant principalement en visio. Également l'accueil, alors que nous faisons avec parcimonie dans le nouveau siège du réseau dans lequel nous avons déménagé il y a 6 mois maintenant, en région parisienne. Quant à la partie formation, année après année, nous la complétons et nous l'enrichissons. Elle est aujourd'hui d'une durée de 5 semaines. Est-ce que vous avez eu des retours positifs de vos franchisés par rapport à votre gestion de la crise sanitaire? Alors, le sentiment est plutôt unanimement positif en ce sens-là, effectivement. L'ensemble de nos franchisés a salué la mobilisation des équipes de tête de réseau, l'innovation également, et puis un soutien sans faille, et notamment psychologique, puisque pendant cette année si particulière, il était important plus que jamais d'être avec un contact de proximité, nos partenaires franchisés. Et de la part de vos clients, est-ce que vous avez des retours positifs et est-ce que d'une manière générale, l'avis de vos clients est une notion importante pour vous?
Alors, plus qu'importante, merci pour la question. Elle est même essentielle à nos yeux, à tel point qu'on a fait un fer de lance ces derniers mois sur le sujet. Nous sommes particulièrement fiers de communiquer depuis quelques mois maintenant sur la note de satisfaction Google de nos clients, qui sur près de 3000 avis clients affiche une moyenne de tous nos points de vente nationalement de 4,7 sur 5, ce qui est particulièrement élevé et notamment dans le secteur de la vente automobile, c'est inédit. Quel message vous souhaitez faire passer aux porteurs de projets qui hésiteraient à se lancer compte tenu de la crise sanitaire? Très clairement, je leur indiquerai que comme dans toute crise, même si celle-ci est évidemment inédite, dans toute crise, il y a des opportunités. Donc, il est temps d'entreprendre en choisissant bien non seulement le secteur d'activité, mais également l'adéquation homme-projet, je serais tenté de dire, avec le choix en plus de ça d'un réseau qui afficherait une solidarité et un soutien à ses partenaires franchisés sans faille. Florent Barbotto, je vous remercie. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes fondateur des Ouigo et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.